donc Don Erwan Courjibé, je suis prêtre depuis 10 ans, curé à Châlons-en-Champagne dans la Marne, l'aîné de 3 et moitié breton, moitié marnais. Alors deux sentiments contradictoires, hein. C'était une surprise, je ne m'attendais pas à bouger cette année un arrachement de quitter la Marne au bout de 8 ans quand même, c'est vrai. Et une vraie joie d'arriver ici pour 3 raisons. La première, c'est que moi, je suis un fils de militaire, donc j'ai toujours bougé. Donc, mais le seul point fixe depuis que je suis né, c'est Lannion. Donc bon, c'est un autre pays, mais c'est pas si loin, donc un peu l'impression de revenir au pays. Là, maintenant que j'ai un peu découvert la paroisse, c'est une mission magnifique et il y a un côté très exaltant. Il y a plein de choses, ça fait envie. Et puis, pour la communauté, c'est une ouverture. Hein. C'est un nouveau lieu où on arrive, donc il y a un défi pour les paroissiens qui sautent plein de questions. Et puis, pour moi et pour l'équipe, de créer quelque chose ici de neuf, ça c'est extraordinaire. Le nombre de paroissiens investis, la vitalité qui est encore sur place ici. J'ai l'impression que c'est vraiment un pays qui est encore chrétien. Avec ce que ça a de très positif, quand je vois le nombre de baptêmes, d'obsèques, de mariages, je me dis waouh, c'est beau. Et puis avec ce qui est une question pour l'instant, je ne vois pas, mais on est peut-être moins dans la nouvelle évangélisation, parce qu'on est encore en pays qui est relativement chrétien. Par rapport à là où je suis, où comme c'est beaucoup moins chrétien, si on entretient la vie chrétienne qui existe, eh ben on a du temps libre.